Je lis, je lis, je lis, je lis, je lis. Je passe tout mon temps comme ça, comme j'aime ça, puis ça m'enlève le temps que j'ai rien à faire. En fait, avant la COVID, Joshua ne lisait pas beaucoup, il n'aimait pas beaucoup lire. C'était difficile pour lui de lui faire lire un livre. Donc, on a essayé différentes stratégies pour essayer de le faire aimer la lecture, dont l'emmener à la grande bibliothèque. Maintenant, il est accro à la lecture. On doit lui demander d'arrêter de lire, là, parfois, pour qu'il fasse ses petites tâches à la maison. Donc, Joshua a un TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. On était vraiment surpris de voir que la lecture, à quel point ça peut avoir un effet apaisant sur lui. Ça stimule son imaginaire, ça stimule son besoin d'avoir mille et une idées à la fois. Quoi qu'ils en disent, maman et papa ne reconnaissent pas le dur labeur et d'originalité. Ça, c'est Jolly's Wolfpack. C'est comme un livre de 3 séries. Ça, c'est l'écureuil à Spirou, là. Spirou, c'est comme une personne qui travaille comme dans un hôtel. Souvent, le samedi, on va à la grande bibliothèque, puis on doit apporter des sacs d'épicerie là, réutilisables. Ça, est-ce que tu les as lus, ça, les Calvin and Hobbes? Non, pas du non? tout. OK, donc on peut les garder. Il en emprunte à peu près 25, là, je pense que c'est le maximum. Mais c'est surtout des BD, des revues, tout ça. Donc, c'est des choses qui se lisent vite, mais à chaque semaine, on doit renouveler parce que Joshua lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres là, chaque semaine. Donc, je dirais peut-être une centaine par mois. C'est comme des livres que j'en lis un, après ça, si j'aime ça, j'en prends comme presque toutes. Si j'avais une recommandation à faire pour des parents qui veulent initier peut-être leur enfant là, de 8, 9, 10 ans à la lecture, moi, je leur suggérerais peut-être d'aller voir la section des magazines qui est au fond, là, que peut-être que les gens ne pensent pas toujours à aller, mais de passer par des magazines, c'est des articles courts avec beaucoup d'images. Ça peut être super intéressant. Souvent, les parents vont penser à des bandes dessinées, ce qui peut être aussi intéressant. Une belle stratégie pour initier les enfants à la lecture et au plaisir là, de la grande bibliothèque. On rentre, on va comme rendre les livres. Je vais en bas avec comme un panier roulant, comme voir les livres, comme des fois les jeux là. Je comme va voir, comme je marche, je vois les livres, après ça comme je comme cherche des livres, je cherche des livres, je vois des jeux, je regarde. Comme regarder le livre et là, je vois le film et je vois juste un peu, là, après ça, comme, je continue. Donc, on a été invités à la soirée des grands emprunteurs ce soir. On est vraiment contents. On a reçu un courriel comme quoi Joshua était un des plus grands emprunteurs de la bibliothèque. Donc, on est vraiment contents de se rendre là aujourd'hui. Et ce soir, on a un exemple tout particulier. Il s'appelle Joshua. Joshua, il a 11 ans. C'est le plus jeune super utilisateur. Il a emprunté pas moins de 492 documents. Et donc, on aimerait te remettre la médaille de l'espace jeune. J'emmène ça à l'école demain. J'emmène à l'école demain. Est-ce que tu veux venir avec ton papa? Joshua, vous êtes reçu par l'Ordre de l'espace jeune. Ça nous fait très plaisir. Le prix du grand lecteur 2020 Joshua, grande bibliothèque Espace Jeune. Très content.